discernement chrétien. Dans cette vidéo, nous allons parler des relations toxiques et de comment les discerner d'un point de vue chrétien. Nous verrons également comment se protéger de ces relations et comment cultiver des relations saines et enrichissantes. Que vous soyez en couple, en famille ou en amitié, cette vidéo vous donnera des clés pour vivre des relations plus épanouies et plus conformes à la volonté de Dieu. En tant que chrétien, notre foi nous appelle à aimer et à pardonner. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous devons nous exposer à des relations qui nous blessent ou nous nuisent. En effet, Dieu nous a également donné le discernement et la sagesse pour choisir ce qui est bon pour nous. Proverbe 13:20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. » Matthieu 7:6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. » 2 Timothée 1:7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Vous avez raison de dire que votre mentalité a changé. Vous avez traversé des épreuves, des rencontres et des déceptions qui vous ont façonné. Vous êtes désormais plus conscient de votre valeur et de l'importance de vous entourer de personnes positives et bienveillantes. La Bible nous enseigne à discerner les esprits, 1 Corinthiens 12:10, et à ne pas nous associer aux personnes qui nous entraînent dans le péché, 1 Corinthiens 15:33. Cela ne signifie pas que nous devons les juger ou les condamner, mais simplement que nous devons nous protéger de leur influence négative. 1 Samuel 18:29. Saul, le roi d'Israël, était devenu jaloux de David et cherchait à le tuer. David a dû fuir pour sauver sa vie. Il a compris qu'il ne pouvait pas rester dans une relation toxique avec Saul. Actes 15:36-41. Paul et Barnabas étaient des missionnaires qui ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Cependant, ils ont eu un désaccord sur la question de savoir s'il fallait emmener Jean-Marc avec eux lors de leur prochain voyage. Ils ont décidé de se séparer et de continuer leur ministère séparément. Dieu nous a donné le don de la vie et nous devons en prendre soin. Cela inclut de protéger notre santé mentale et émotionnelle. Rester dans une relation toxique peut nous causer beaucoup de souffrance et nous empêcher de vivre pleinement notre vie chrétienne. Dieu nous appelle à vivre des relations saines et enrichissantes, basées sur l'amour, le respect et la confiance. Ces relations nous encouragent à grandir dans la foi et à devenir de meilleures personnes. Parfois, mettre de la distance avec une personne toxique est un acte d'amour, pour nous-mêmes et pour l'autre personne. Cela peut lui permettre de prendre conscience de son comportement et de chercher à changer. Psaume 91:2. Dans les moments difficiles, il est important de se tourner vers Dieu pour trouver la force et le soutien dont nous avons besoin. Il est notre refuge et notre forteresse. Il est important de discerner si une relation est toxique ou non. Demandez-vous si cette relation vous encourage à grandir dans la foi et à devenir une meilleure personne. Si vous pensez que vous êtes dans une relation toxique, il est important de parler à l'autre personne de vos sentiments. Essayez de résoudre le problème ensemble. Si la situation ne s'améliore pas, il est important de fixer des limites. Vous pouvez limiter le temps que vous passez avec la personne ou mettre fin à la relation. En tant que chrétien, nous ne devons pas nous sentir obligés de rester dans des relations qui nous blessent. Nous avons le droit de choisir qui a le droit de faire partie de notre vie. En cultivant des relations saines et en nous protégeant des influences toxiques, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et plus conforme à la volonté de Dieu. N'hésitez pas à demander du soutien à un ami chrétien, à un membre de votre famille ou à un pasteur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes chrétiennes ont été confrontées à des situations similaires et peuvent vous offrir soutien et conseils.